œuvre de Garbaoui, signée et datée de 1950, eh bien nous allons commencer à 300 000, 315 000, 330 000. Eh bien je vais être jugé, je n'ai pas au fond de la salle, adjugé à monsieur 330 000. Le prix de sa peinture est très légitime, voire même ça devrait coûter beaucoup plus. Des toiles qui valent une fortune aujourd'hui, mais dont personne ne voulait du vivant de Gharbaoui. Personne n'achetait cette gestualité. Les gens veulent une pomme, veulent un dessin, veulent une nature morte ou une figuration. Il faisait du tchermiz. C'est comme ça qu'on a taxé ses peintures à un certain moment. C'est un monsieur qui est une véritable rupture. C'était un homme qui tenait beaucoup à sa liberté. Il a souffert beaucoup. Il a souffert dans tous les sens. Il était torturé, il était mal dans sa peau. Il a connu un seul confort, c'est celui de la boisson. Gharbaoui était l'artiste maudit de la peinture marocaine. C'était un marginal. Il a fabriqué un mythe autour de lui. Je crois que sa peinture était son destin. Le peintre le plus emblématique de l'histoire de l'art marocain est aussi le plus mystérieux. Son art, sa peinture y sont bien sûr pour beaucoup, mais il y a autre chose. Sa vie, un long chemin de croix, une enfance douloureuse, une jeunesse tourmentée et une fin aussi prématurée que tragique, tant et si bien que le personnage, l'écorché vif, a presque éclipsé l'artiste. Un artiste qui a osé faire ce que aucun Marocain n'osait faire à l'époque, de l'abstraction. Voici l'histoire de Gil Ali Gharbaoui, l'homme, l'artiste, l'avant-gardiste. Il me semble que j'avais 12 ans, quand lui, il avait 20 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il est né en 30. Et moi, comme je suis né en 38, donc il y a 8 ans de différence entre nous. Et je l'ai connu effectivement dans un espace à Fès qui s'appelait à l'époque Académie des Arts de Fès. Cette académie était réservée uniquement pour les nobles de Fès. La famille de Gil Ali Gharbaoui est loin d'être noble, elle est même très modeste. Mais il sera quand même admis parce qu'il est très doué. Et souvent, on avait ce qu'on appelait à l'époque, et même maintenant d'ailleurs, existe un peu partout en Europe, le modèle vivant. Le modèle vivant, il s'agit d'une femme nue. Il peignait. Et il peignait la femme à sa façon. Il était très timide, il ne parlait pas beaucoup. On était un petit peu comme ça, parce que pour lui, moi, j'appartiens à la bourgeoisie de Fès, jeune, il n'a rien à faire avec moi. Et en sortant, pour aller soit prendre le bus pour aller en Médina ou ma bicyclette, on marchait un petit peu ensemble. Et je le voyais s'arrêter toujours devant un vendeur de journaux qui existe actuellement encore à Fès et qui se trouve juste à côté de la grande poste de Fès, avenue Mohamed V. Et là, jeune comme j'étais curieux. Je l'ai suivi pour voir ce qu'il fait. Bon, c'était pour prendre un petit verre de rouge qui était caché quelque part avec son copain qui vendait les journaux. Au bout de sa formation, Gharbaoui réussit à décrocher une bourse d'études à l'étranger. Il quitte la ville de Fès pour atterrir à la prestigieuse École des Beaux-Arts de Paris. Moi, je suis parti en 1954 à l'École des Beaux-Arts et je l'ai trouvé. Et c'est là qu'on s'est retrouvés encore ensemble. Gharbaoui est curieux, avide d'apprendre. Les Beaux-Arts de Paris ne lui suffisent pas. Il fréquente d'autres ateliers de peinture, comme la Grande Chaumière. Il découvre la ville, ses places mythiques, ses artistes, et tombe sous le charme.
premier artiste peint qui arrivait à l'école des Beaux-Arts, c'était Ragbaoui, c'était pas quelqu'un d'autre. Le deuxième, c'est Karim Benani, le troisième, c'est Belkaya. Je ne l'ai pas vu à l'école des Beaux-Arts. Je l'ai vu en dehors. Et puis, il est rentré au Maroc. Gharbaoui choisit de s'installer à Rabat et retrouve son mentor et protecteur, l'écrivain Ahmed Sefraoui, à l'époque directeur des Beaux-Arts de Rabat. Le regretté Ahmed Sefraoui avait fait pression sur le premier ministre de l'Éducation nationale à l'époque, qui lui avait trouvé un boulot. Ça n'avait pas fonctionné parce que, déjà, Jilal Gharbaoui apparaissait comme une espèce de marginal. Sa mission au ministère de la Culture est un échec. L'artiste est en pleine dépression, mais Sefraoui ne l'abandonne pas. Gharbaoui n'était pas bien. Ahmed Sefraoui m'a téléphoné et m'a demandé de donner ma bourse à Gharbaoui. Et il m'a fait prolonger ma bourse marocaine à Paris. Une bourse qui l'emmène en Italie, plus exactement à Rome. Jilal Gharbaoui est inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. Là-bas, il fait la rencontre d'un autre jeune peintre marocain, Mohamed Mlihi. C'était en 57. On s'est rencontrés à Rome dans les bureaux du département culturel du ministère des Affaires étrangères italien. Il était un peu réservé, silencieux. J'ai eu du mal à le faire parler. Aux Beaux-Arts, ils nous ont demandé de présenter un dossier, comme de coutume, tes dessins, tes peintures, etc. Et Gharbaoui n'avait rien avec lui. Et on est allé quelque part, je ne me rappelle plus, où Gharbaoui avait fait des dessins. Et là, ma grande surprise, c'est de découvrir que Gharbaoui était un grand dessinateur. Mais Gharbaoui est loin d'être un adepte de la formation académique. À Rome, il passe son temps à sécher les cours. Avec Mlihi, il participe à un concours de peinture de paysage à Palerme et remporte le premier prix. Son séjour en Italie ne dure que 6 mois. Il retourne au Maroc et participe à une exposition collective à Rabat. On a fait une exposition ensemble avec Ben Adlal, 58. Gharbaoui, Ben Adlal et moi, à Rabat. On avait 3 salles. Il y avait une salle pour moi, une salle pour Ben Adlal et une salle à Gharbaoui. Les travaux, c'était des travaux figuratifs. C'était des travaux qui rappelaient étrangement la période rose de Picasso. C'est-à-dire, c'était des personnages assez massifs, très structurés, très hachurés comme dessin. Entre 1957 et 1959, Gharbaoui multiplie les voyages en Europe, Paris, Amsterdam, et même au Japon et aux États-Unis, où il remporte le premier prix d'un concours organisé par le musée d'art de San Francisco. هو كان يعتقد على انه فنان في مستوى عالي. انا قلت لك يعني شارك في عده معارض باريس وشارك في لابينال دو باري مع اليابانيين مع اليابوني وشارك مع الهولنديين. Gharbaoui coupe les ponts avec l'impressionnisme de ses débuts. Sa peinture est gestuelle, violente, déstructurée. Un style qui séduit le critique d'art le plus influent en France à l'époque, Pierre Estany. Pierre Estany avait un peu d'amour pour le Maroc. Et effectivement, Pierre Estany a donné un bon coup de fouet à la peinture de Gharbaoui. Il est Nari Estany, il est un expert dans la peinture japonaise. Et bien que Gharbaoui a fait la même façon de la peinture,
فكان الوحيد اللي عزز عليه. Castagni était un homme assez extraordinaire par ses connaissances et son réseau humain d'abord et puis par sa théorisation de tous ces mouvements. Le problème du geste, du signe et du graphisme a été à l'honneur à l'époque dans l'école de Paris et il est certain qu'en effet, il y a trouvé une référence stylistique. Pierre Estany vient de fonder son propre mouvement artistique, le Nouveau Réalisme. Il est à la recherche d'un chef de file et fait une proposition à Rabaoui. Il lui dit à Rabaoui, écoute, je vais créer un mouvement d'artiste, et comme tu peins avec le bleu, je veux que tu ne fasses que des monochromes bleus. Tu ne crées rien. Un tableau en bleu, comme la mer. Et Rabaoui a refusé. Il est rentré au Maroc. Et Pierre Estany a pris comme chef de file Yves Klein. Yves Klein, un artiste considéré aujourd'hui comme l'un des plus importants acteurs de l'avant-garde artistique d'après-guerre. Il serait resté à Paris, il coûterait peut-être 400-500 millions en plus. Rabaoui tourne le dos au Paris effervescent d'après-guerre, refuse d'adhérer au mouvement artistique de mode, rentre au pays. Mais au Maroc, le succès n'est pas au rendez-vous. Le premier lauréat marocain de l'école des Beaux-Arts de Paris se retrouve sans travail, presque à la rue, seul face à ses doutes, ses blessures d'enfance et ses angoisses. Rabaoui est seul, pauvre, rongé par le doute. Ses toiles ne se vendent pas. Il sombre dans la dépression et fait deux tentatives de suicide en l'espace de quelques semaines. C'était pas pour rire, hein. Il voulait vraiment en finir. Il était torturé, il était mal dans sa peau. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Rabaoui vivait des périodes bien, bien précises dans sa vie. Il y avait des hauts et des bas. Mais beaucoup côté bas que haut. Parce que ça tournait tellement rapide là-dedans qu'il n'arrivait pas à se maintenir à une seule ambiance à ces niveaux pendant sa vie. Rabaoui tente de noyer son mal de vivre et ses angoisses dans l'alcool. Avec l'écrivain et peintre belge Henri Michaud, il découvre la drogue, expérimente toutes sortes de psychotropes. Il a participé avec Michaud à beaucoup peut-être d'excès, mais Michaud, lui, contrôlait plus ou moins hein, ses excès, parce qu'il a testé des drogues nouvelles que les chimistes créaient à cette époque. Bon, ce n'est donc pas des drogues classiques, nos drogues usuelles. Bon, il a participé à cela, et c'est là qu'il a fait sa première véritable dépression. À Paris, Rabaoui était un vrai sauvage, hein. Rabaoui, quand il sort de l'école, il est seul, il ne voit personne, et la tête par terre, il sort, on ne sait pas où il va. Et le contact était très difficile, vraiment très très difficile. Okay, c'est un type caractériel, disons. Il a ses têtes, il est comme ça. Une fois, je lui présente, admettons, un architecte, je lui dis, je présente Rabaoui, un artiste marocain, l'architecte tel. L'architecte le donne la main pour le saluer, lui, il ne salue pas. كان عنده ازمات هو رباوي بحيث انه ما كانش عنده استقرار نفسي. Il vivotait, il traînait, il passait chez les uns, chez les autres, et comme il était dépressif, je veux dire, les gens n'étaient pas très contents de le recevoir longtemps. L'artiste fait des allers-retours entre Rabat et Paris. Il se cherche, mais ne trouve sa place nulle part. Il passe de longues journées cloîtré dans sa chambre d'hôtel.
لما دخل المغرب وقعت مشاكل ماديه وعدم تحمل الناس وداكشي كان ينعزل. Il croyait qu'en rentrant au Maroc, il va jouer un rôle beaucoup plus important. Ça n'a pas été le cas. Et il y a eu des tentatives de suicide, ça tout le monde le sait. C'est à cette époque que Seferovic craignant une nouvelle tentative de suicide l'éloigne de Rabat et l'envoie à Rome. La période de Rome, il n'était pas violent, il était out. Ce que fait que ses relations, elles étaient très limitées. À Rome, Rabaoui se lie tout de même avec un jeune musicien, Maxwell Davis, qui deviendra plus tard un des plus grands compositeurs britanniques. Ce musicien aussi était de la même pâte, le même genre de personne. Il était très penché vers le mysticisme. Donc je me rappelle quand je voulais les retrouver des fois, et surtout à Rome, il fait très chaud, c'est déjà au mois d'avril, je l'ai trouvé dans les églises parce qu'il fait frais, c'est calme, assis en train de méditer. On a souvent dit qu'à un moment donné, il y avait des amalgames entre l'islam, la chrétienté. C'est possible, vu la fragilité de l'Arbaoui, c'est des choses qui sont possibles. Rabaoui ne se ménage pas. Sa santé, déjà fragile, se dégrade. Il est obligé d'écourter son séjour en Italie. Il rentre au Maroc et s'installe en convalescence au monastère de Tioum Liline, près d'Azro, chez les moines bénédictins. C'est un homme qui arrivait avec une minuscule valise dans laquelle il devait surtout y avoir des pinceaux et de la peinture, mais il ne transportait pas une garde-robe bien abondante. Il était toujours impeccable, moi je n'ai jamais vu crado. Dans ce lieu grandiose où le sacral et le sacré prennent forme dans le quotidien des gens, dans l'infime parole et l'infime et dans le silence aussi, il se laissait guider par l'esprit du lieu. Et les bénédictins l'ont un peu sauvé puisqu'ils lui ont, il a retrouvé une famille. Il a retrouvé une famille avec le père Alain, le père Martin, etc. Donc il a été, il a trouvé, je crois pour la première fois, un nid, ce qui lui a manqué. Chez eux, il a retrouvé la paix, la possibilité de méditer et de vivre en mystique, et aussi la possibilité de parler avec ses prêtres de culture. Et j'ai presque un peu honte de le dire parce que il a tellement souffert par ailleurs. Et je n'ai pas deviné sa souffrance immédiatement. C'était pas possible. Rien ne permettait de la soupçonner. Qu'il était travaillé donc par la question de spirituelle, de l'appartenance à la religion musulmane, contrarié ou dédoublé par la fréquentation des pères de Tioum Liline. Les longs séjours qu'il y menait faisaient que quelquefois il en sortait perturbé. Il a cherché à devenir chrétien. Voilà ce qu'il a été cherché à Tioum Liline. Je ne savais pas s'il s'était converti au christianisme. Certains me l'ont dit, mais je n'ai aucune, parce que je ne l'ai jamais demandé. Gérard Rabaoui était très proche du christianisme,
peut-être pas des rites chrétiens, je ne crois pas, mais de ce qu'est l'aura du christianisme, la figure du Christ crucifié, la figure du Christ qui irradiait la charité humaine, la douleur. Je pense qu'il avait de Dieu une vision extrêmement liée à sa propre psychopathologie. Dieu, c'était sans doute le moment d'équilibre où l'on ne souffre plus, où on peut considérer le monde comme non contradictoire. Gharbawi est apaisé, presque heureux. Pendant ce séjour, il continue à travailler et sa peinture est à l'image de son âme, sereine, parfois même figurative. Je l'ai vu une fois à Casablanca. Je me rappelle, on a pris un café dans le Café de France. Il me dit, tu sais, Mlihi, je travaille avec les enfants berbères de Azro et je les fais peindre. Comment tu les fais peindre? Ils n'ont jamais touché les peintres. Je dis non. Il me dit, je leur crie bleu. Alors ils se mettent à peindre un bleu. Je leur crie rouge. Ce qu'il a vécu à Tioumlini n'était pas une guérison. Une trêve, mais aussi une parenthèse dans sa vie. Et cette parenthèse, il en avait besoin pour revivre sa folie, encore une fois. Je crois que son comportement est dû un petit peu à son état d'âme, à sa façon d'être, à sa façon d'avoir vécu jeune, à sa façon d'avoir vécu sans connaître la famille. Le sentiment d'une famille, le sentiment d'un père, d'une mère, il n'a pas connu tout ça. Ma kanch andou l'aïla, ma kanch andou wahed sadr hanoun li yani yerja lih w sha'rou bel insaniyya dialo w sha'rou b tom'anina dialo. Yani kan tayesh'ar wahed nou' men déracinement. Le fait de ne pas avoir d'attache a été très dur pour lui parce que c'est un homme extrêmement sensible. Amelt wahed l'adad dial muqaddimat fel ma'arid dialo. وقلت له اعطيني واحد نبدا على الحياه ما كيبغيش. L'artiste n'aime pas évoquer son passé. Il préfère oublier son enfance courte et malheureuse, sa jeunesse tourmentée. Gharbawi a vu le jour en 1930 à Jorf el Melh, une pauvre bourgade du Gharb près de Sidi Qassem. Il a perdu ses parents avant l'âge de 2 ans. Un oncle qui devait s'occuper de lui le place malheureusement à l'orphelinat, et il connaît très tôt les horreurs de l'orphelinat et de la rue. Et il n'a gardé ni le souvenir, ni l'image stimulante d'un père, ni le souvenir d'un amour sécurisant de la mère. C'est pas le fait qu'il était orphelin, ça ne joue pas. Et c'est le fait qu'il était abandonné par l'homme qui l'a recueilli après. C'est ça qui a joué. C'est beaucoup plus important que d'avoir... Quand le père et la mère meurent, bah, c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Mais d'être abandonné par quelqu'un qui est toujours vivant, ça c'est... et d'être mis dans un orphelinat, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Ce gamin qui perd ses parents à l'âge de 10 ans, qui se retrouve chez son oncle d'abord, puis après dans un orphelinat, qui traîne dans les rues à vendre des journaux, etc. Bon, c'est pas gai tout ça. Hein. C'est un miracle que tout cela ait pu conduire un être à devenir Gharbawi, quoi. Une enfance faite de toutes sortes de privations qui le hantera toute sa vie en fera un être fragile, angoissé. Dès qu'il avait des problèmes d'argent, il tombait en crise.
une crise. Bon, il est arrivé. C'est vrai que c'est pas un secret qu'il, en plein Ramadan, il allumait une cigarette et il descendait le boulevard Mohamed V à Rabat. Donc il y avait quand même des gens, il y avait la police et tout. Bon. Et tout de suite, il était pris, amené à l'hôpital. J'ai entendu qu'il était dans une crise et on m'a appelé. Et j'étais le voir quand il était à Brachid. Il était à Brachid, lui. Je crois que c'était Safrawi, Mohamed Safrawi. Et lui qui m'a appelé, m'a dit, Karim, si tu veux venir avec moi, on va aller voir. J'ai dit, bien sûr. Et on a été le voir. Et Safrawi m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, si Ahmed, on lui emmène un peu de peinture. Il m'a dit, quelle couleur? Je lui ai dit, écoute, on lui emmène le rouge et le noir. Et tout de suite, il s'est mis à travailler sur les murs, sur n'importe quoi. C'est la peinture de quelqu'un qui, quand il peint, structure son esprit pour ne pas devenir fou. C'est une façon de tenir son équilibre. C'est une façon de organiser l'espace qui est projeté par sa main, projeté par son esprit. C'est la peinture est un moyen d'autothérapie. Schizophrène, il l'était parce que déjà, il était fiché à l'hôpital psychiatrique de Saint-Lyé comme tel. La première fois que je l'ai vu, c'était à Orly, à l'aéroport d'Orly. Et je l'ai donc accompagné pendant 15 jours pour ses consultations et la mise en route de son traitement. Et il avait logé chez moi pendant toute cette durée. Durant cette période, il était plutôt très introverti, très, très fermé sur lui-même, mais il s'ouvrait de plus en plus et à son départ, bon, ben, il était presque normal. Gérard Rabaoui n'était pas un aliéné, c'est d'accord, mais c'était un monsieur qui vivait une vie très difficile, dramatique. On dit que bon, il était trouble. Quelquefois dans ses comportements, tous, mais encore, tout un chacun de nous a quelque part des moments de déstabilisation, mais il avait des moments de joie. Niki kun kay dhak kay dor hatna ma kaybqash li dhak akla kayوقف w nta takhrou dik dhaka w tayedor akla tayedir wahed daira ma dhaka Allah yrahmou. C'est un homme qui avait quand même un certain charme aussi. C'est un garçon qui est d'abord très sympathique parce que il est brun, il a des yeux de braise et puis il a un sourire et dans ce sourire on voit tout le malheur du monde. Quand on a vu ce visage, on ne l'oublie pas. Il adorait les femmes. Un jour, quand on est rentré d'ici, j'habitais un petit appartement de la rue de la Marne, il est venu un soir à minuit taper sur la porte avec une Hollandaise. Il m'a dit, Karim, écoute, je sais que tu as un lit très confortable, comme ça. Tu vis bien, toi, tu as un beau salon, mais moi, je n'ai rien, donne-moi un lit pour dormir. On lui a donné un lit à minuit. Ça, c'est Rabaoui. Son amie hollandaise, c'est elle, Thérèse Boresma, la femme qui a peut-être le plus compté dans sa vie. Avec elle, Rabaoui vit une nouvelle trêve. Ensemble, ils coulent des jours heureux dans une petite maison, nichée au cœur du Chella. Mais leur idylle ne dure que quelques mois. Thérèse le quitte, rentre chez elle aux Pays-Bas. Rabaoui ne s'en remettra jamais. Thérèse hantera en permanence son esprit, ses écrits, comme un rare et lointain souvenir du bonheur. Pour oublier son chagrin d'amour et son mal-être, Rabaoui se noie dans le travail. Il pousse l'abstraction dans ses derniers retranchements.
Un acte suicidaire pour un artiste dans le Maroc des années 60, peut-être. Mais Gharbaoui qui a traversé la folie, frôlé la mort, ne vit plus que pour peindre. Sa peinture est viscérale, sa gestuelle fulgurante prend enfin son envol. En 1960, grâce à un ami français, Gaston Diel, du service des échanges culturels, Gharbaoui expose à la galerie Venise Cadre à Casablanca. Ses toiles sombres et tourmentées, violemment abstraites, choquent, les visiteurs sont scandalisés. Il savait qu'il était l'adversaire des cartes postalistes exotisant du protectorat, qu'il n'avait pas à faire des scènes, qui étaient des témoignages du fait qu'on était au Maroc. Le public n'a absolument pas compris cette peinture non figurative, féroce, violente. La particularité la plus saisissante dans le parcours de Gharbaoui, c'est d'avoir, depuis le début, déconstruit ce qu'on pourrait appeler peinture. Il élimine effectivement la figuration, il élimine l'abstraction géométrique, il élimine la peinture flamande, il élimine la carte postale exotique. Une peinture différente qui dérange. Gharbaoui est conspué, ironiquement parodié et insulté sur le livre d'or. Ce genre de choses est arrivé à certains grands peintres, hein, se faire insulter. Picasso certainement a dû avoir ça dans sa vie. Venise Cadre était une galerie qui était destinée essentiellement à une bourgeoisie européenne de Casablanca. Donc ce que l'on a là, c'est pas le goût des Marocains. C'est certainement pas le goût non plus des Européens. C'est le goût d'une toute petite frange de la structure sociale de l'époque qui avait des intérêts dans le pays et qui était très hostile d'ailleurs à l'indépendance. Mais il avait des gens qui s'intéressaient à lui. Dans ce flot d'injures, quelques rares marques de sympathie, comme cette phrase écrite par un autre peintre, Ahmed Cherkaoui, qui disparaîtra 7 ans plus tard, à l'âge de 33 ans. Gharbaoui est anéanti par l'échec retentissant de son exposition. Il doute mais ne flanche pas. Poursuit dans sa peinture la quête de la lumière, comme il l'appelle, au risque de vivre à l'ombre. Il n'a pas su gérer son retour au Maroc. Il vient au Maroc dans un pays richissime en expression artistique, dans son artisanat, dans son art populaire, mais un désert par rapport à l'art moderne, contemporain. Il y a un manque de liaison. Ce que nous avons fait, le groupe de Casablanca, c'est de tisser cette liaison entre la peinture moderne et l'art populaire marocain. كان كيقول ما كتعجبوش المدرسه ديال الدار البيضاء جمعيه الدار البيضاء شكون اللي كان فيها كانوا فيها الاساتذه ديال المدرسه ديال الفنون التشكيليه loin du folklore et des traditions géométriques Gharbaoui est en quête d'une peinture différente lumineuse vivante ouverte aux influences universelles il en parle dans une interview du réalisateur Karim Driss l'une des rares peut-être la seule interview filmée du peintre في القرن 16 في إيطاليا كان الفن تيعبر بالأزرق وبالذهبي وأنا كنت سافرت في إيطاليا في 57 وشت دوك اللوحات وزولت الذهبي ودوبته وخليت الأزرق lorsqu'on regarde par exemple sa peinture il est difficile d'y trouver des éléments de marocanité ou même d'arabisme spécialisé. C'est quelqu'un qui était à l'écoute d'une dimension universelle. Il l'avait dit. Moi, je ne m'intéresse pas à la culture populaire en soi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a d'universel dans ses formes. Ce que lui propose, c'est le changement immédiat lié à une spontanéité de la gestualité.
C'est cela qu'il va proposer. Et c'est cela qu'il va introduire. Et cette chose-là, on ne l'avait jamais vue au Maroc antérieurement, à aucun moment. Un avant-gardiste incompris qui ne se vend pas. Pour vivre, il essaie d'enseigner aux Beaux-Arts de Casablanca. Mais le jeune directeur de l'école à l'époque, Farid Bilkahia, est loin d'être enthousiaste. Malheureusement, on ne s'est pas entendu. Et il me semblait que c'était un risque, disons, à travailler avec le Gharbaoui qui pouvait avoir des accès, de nervosité, d'énervement. Pour l'école, ce n'était pas recommandé. Gharbaoui, l'infréquentable, est désemparé. Il est obligé de quitter sa chambre d'hôtel qu'il n'arrive plus à payer et se réfugie dans la petite maison du Chella, qui deviendra son atelier. J'ai d'ailleurs été très étonné de rencontrer un peintre dans ce lieu, et encore plus étonné de le rencontrer parmi les tombes. Il a vécu en érémite une période à Chella, les jardins de Chella, et là, dans un marabout, il a pu s'installer, et c'est là où il travaillait. Il travaillait avec les doigts, un couteau à l'américaine, les GIs en aluminium, je me rappelle bien. Il raclait la matière, il coulait des seaux de peinture, etc. C'était fougueux, l'engagement, y compris donc physique du peintre. Il a travaillé énormément ici au Maroc, énormément. Vous savez, quand il avait son quartier de travail, il mettait par terre 20-30 pièces par terre. Gharbaoui vit sans eau ni électricité. Il sort rarement et passe ses journées à peindre des cigognes, parfois sur des cartons d'emballage quand il est à court de toile ou de papier. Il avait des amis à Rabat, des institutionnels qui lui achetaient de temps en temps une toile. D'autres qui abusaient de sa à la fois générosité et puis de son détachement matériel. Gharbaoui ne vit que pour sa peinture au jour le jour, sans foyer ni attache. Quand il voyage ou expose à Paris, il loge chez des étudiants marocains, des amis français, comme l'écrivain Henri Michaud ou encore le critique d'art Pierre Gaudibert, chez qui il reçoit son courrier. Mais en 1969, une rencontre va changer sinon le cours, du moins le rythme de sa vie. Celle de Abdelrahman Sarrini, un haut fonctionnaire du ministère des Finances converti en collectionneur. تعرفت على الصغيني وقدمت ليه بعض الفنانين وهو شرا من عند الغرباوي لاتولي ديالو تقريبا من اليبوك سيتي اون 69 جو بونس وبدنا كنتلاقوا عند الصغيني. الصغيني لي لوجي دون سا فيلا رابا، ils avaient une petite chambre au fond du jardin et ils travaillaient là ensemble. Il y avait Bourguiba, Miloud Lbied et Gharbaoui. كان الصغيني كيجيبو كيحط له فواحد الكراج مثلا ويجيب لي 100 ورقه ولا شي حاجه ويخلي يخدم 3 ايام 4 ايام تما ويخلي لي داك الشيء ويمشي. Prise en charge de عبد الرحمن الصغيني, le premier collectionneur sauvage de l'art au Maroc. Il collectionnait des œuvres par centaines. Gharbaoui était dans le besoin et عبد الرحمن lui offrait le matériel, tout ce qu'il fallait, et il peignait à non-stop. Sarrini, quand il a acheté l'Gharbaoui, il a acheté tout. Et j'ai assisté un jour au déballage à telle enseigne qu'il y avait des boîtes de cirage. Vite, des ampoules qui ne pouvaient plus servir. Donc, Sarrini ramassait tout. Et dans ce qu'il ramassait, il y avait tout. Le Gharbaoui avait besoin d'une aide médicale, de l'aide de la vie,
كان يعطيه مبلغ. Il a acheté l'étoile pour une bouchée de pain. Serrini a du mérite quand même. Parce que d'abord, il les a obligés à travailler. Parce que les artistes, il n'y a pas plus paresseux qu'un artiste. Les artistes sont très paresseux. يعني كان كيستغل من طبيعه الحال ان الفنان عنده طاقه ديال الابداع وداك الشيء الى اخره بحيث انه لكم ما كانش عبد الرحمن الصغير ما كانش هذا الانتاج كله هو صافي سي تي رار كوم ام ا ليبوك او كلكان فو دون 400 درهم او 300 درهم سي تي ان بو ديفيسيل il y a un avarisme souvent c'est des gens qui ont de l'argent ces toiles existent aujourd'hui elles sont dans des collections quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit C'était un travail sans organisation, sans réflexion. C'est ce qu'on trouve souvent parfois dans les noirs et blancs qu'il a, les gribouillages qu'il a fait rapidement, etc. Parce qu'il savait que c'était lui maintenant, parce qu'il a fait des choses. Il passe. Certains disent que la période où Rabaoui livrait des tableaux à Serrini, qu'il les bâclait. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Il a dû en bâcler quelques-uns, mais Serrini ne se laissait pas faire. Serrini ne se laissait pas faire. C'est une période où il peignait sur commande, mais ça ne veut rien dire. Rappelons-nous que Barthes a dit « Mes meilleurs écrits ont été des écrits commandés par les autres ». Et donc, je crois que l'art n'est estimable, ni jugeable, ni jaugeable qu'à partir de ce qu'ils nous donnent à voir, et non pas de leur genèse. Leur genèse et leur petite histoire. Rabaoui, il m'a dit un jour, tu sais, Mlehi, dans le domaine de l'art, il faut qu'il y ait beaucoup d'artistes médiocres pour que les artistes de valeur jaillissent. Rabaoui a 41 ans, il ne veut plus peindre pour de l'argent, se sent acheté, perverti. Il décide alors de retourner à Paris, là-bas au moins il ne détente pas, il est même très apprécié. C'est alors qu'un grand critique d'art et conservateur de musée l'approche, Pierre Gaudibert. Gaudibert croit en lui et veut lui organiser une exposition, une prestigieuse exposition. Rabaoui passe les fêtes de cette fin d'année 1970 à Paris. Il prépare une grande exposition au musée d'art moderne, une rétrospective. Il doit retourner au Maroc pour chercher ses toiles. Le 3 janvier, le 4 janvier, je suis entré dans le Maroc et je suis allé dans le Maroc. وخويا اللي تعرض لينا في المطار ديال صلاح الرباط وجا معايا حتى للدار شربنا معاه كويس اتاي وشرب معنا وكان كيضحك مسكين وكان منبسط جدا هذيك اخر مره شفتو Rabaoui est enthousiaste. C'est l'exposition la plus importante de toute sa carrière. Il fait le tour de ses amis et connaissances pour récupérer ses tableaux. جا عندي لهذا المنزل هذا اللي حنا فيه وفي المرسم ديالي وقال لي ودي صديقنا صديقي ديالك هذاك السيد اسمه غوديبير يعني طلب مني باش يعمل لي معرض في الميزيغ دار مودرن انا بنفسي طلب لي اللوحات ديالو اللي كانوا عندي قال لي انا غادي نمشي لما نشوف مع غوديبير الوقت والساعه والمسائل وعدد اللوحات غنجي عندك Mais son séjour au Maroc se passe mal. Rabaoui est encore une fois à court d'argent, coincé à Rabat. Son projet est compromis.
10 ou 15 jours avant sa mort, j'étais à Rabat, 9h du matin, devant la gare du train. Je le rencontre. Il était furieux. Je lui dis, qu'est-ce que tu as ? Il me dit, je pars, on m'a promis de l'argent, on m'a promis un billet aller-retour, on me donne juste un aller. Je pars à Paris, je reviens plus Maroc. Je l'ai amené au café Balima, on a pris un café ensemble, je me rappelle plus, je lui ai donné 200 ou 300 dirhams, je ne me rappelle plus. Quelques semaines plus tard, Rabaoui retourne à Paris et se consacre entièrement à la préparation de sa rétrospective. Heureux de retrouver l'effervescence des nuits parisiennes, il sort beaucoup, rencontre des artistes, des amis, comme ce soir, au restaurant La Coupole. On s'est vu le long de cette soirée-là, c'était janvier, je crois, en tout cas en hiver. Et puis on s'est quitté. Bon, on a parlé précisément du projet de la rétrospective du musée d'art moderne. Et puis on a dû se quitter. Moi, j'avais un engagement. Vers 1h du matin, au sortir d'une discothèque qui s'appelle Rosebud, rue du Montparnasse, c'est ça. Donc je sors. Et à la sortie de cet établissement, qui passe Gil Ali. Ah, salut Gilis, etc. On se redit bonsoir, mais au revoir, au revoir. Quelques heures plus tard, au petit matin, Gil Ali Rabaoui sera retrouvé mort sur un banc dans un jardin public près du Champ de Mars. Il est allé sur le champ de Mars, comment et quoi. Je sais qu'il marchait beaucoup. Et j'ai une image comme ça quand j'étais jeune. Il est venu de Rabat jusqu'à la maison, donc à Kenitra, à pied. Était solitaire, mystique, il a dû s'asseoir sur un banc et méditer devant la tour Eiffel, je ne sais pas quoi. Et puis la mort est venue, comment la mort est venue, je n'en sais rien. Un arrêt cardiaque, n'importe où, peut arriver à n'importe qui. Moi, je peux mourir là, maintenant. Quand on a su le grand peintre qu'il était, André Malraux, qui était à l'époque ministre de la Culture sous le gouvernement Pompidou, l'a renvoyé au Maroc dans une caravelle drapée aux couleurs marocaines. La dépouille de Gil Ali Rabaoui est rapatriée au Maroc. Il sera enterré à Fès dans l'indifférence générale. Les obsèques, il y a quelqu'un de Fès qui lui a payé les obsèques, mais c'était pas terrible. Moi, j'ai assisté à son enterrement. Et qu'est-ce que je peux vous dire de son enterrement ? Il a été marqué par une indifférence générale de tout un pays. Et je peux vous dire que c'est malheureux si c'est de cette façon-là que le Maroc honore ces artistes, parce que c'était l'indifférence. J'ai compté en tout pour tout une vingtaine de personnes, et entre les honneurs du rapatriement et les rites et la cérémonie de l'enterrement, il y avait tout un monde. Gil Ali Rabaoui aura finalement sa rétrospective, mais 22 ans plus tard, à l'Institut du monde arabe à Paris, à l'initiative de la Fondation ONA. Ce sera à la fois son hommage, ses funérailles et en quelque sorte sa résurrection, une nouvelle vie pour l'étoile de Rabaoui dont la cote n'a cessé depuis de grimper
il est aujourd'hui le peintre marocain le plus cher, mais aussi le plus contrefait. Gharbawi, on lui attribue beaucoup de choses qu'il n'a jamais fait. C'est l'homme qui, après sa mort, parmi tous les peintres marocains, a plus peint mort que vivant. C'est l'homme qui a le plus de faussaires aujourd'hui. Il est vrai qu'il ne passe pas une semaine sans que quelqu'un vienne à la galerie avec un Gharbawi qui est manifestement faux. J'ai moi-même vu, je ne veux pas citer de nom, sont deux peintres qui sont morts, je les ai vus fabriquer des faux. Finalement, il y a eu un mythe autour de Gharbawi. Sa peinture vaut ce qu'elle vaut, mais le personnage, c'est comme Marilyn Monroe, c'est comme James Dean, c'est comme tous ces gens qui disparaissent tôt, qui partent tôt. C'était un peintre. Gharbawi était un peintre. Il est mort en tant que peintre. On ne peut pas lui enlever ça. C'était quelqu'un en quête de l'extrême sens de sa vie. Et cet extrémisme, il le portait en lui comme destin. Je crois que sa peinture était son destin. Dans un article paru dans la revue Souffle en 1967, Jilaï Gharbawi disait à propos de sa peinture « La quête de la lumière est pour moi capitale. La lumière nous lave les yeux, elle ne trompe jamais. » Cette lumière, Jilaï Gharbawi l'aura cherchée toute sa vie dans ses toiles, dans ses voyages, dans sa folie. L'a-t-il seulement trouvée un jour? Ces toiles en tout cas sont toujours là, pleines de fougue et d'éclat. Elles illuminent les plus grandes galeries du monde il y a 3 ans. Une toile de Gharbawi a été adjugée à Paris à plus de 200 000 euros, un chiffre record jamais atteint jusque-là par une toile d'un peintre marocain.